Mola, archives sonores. Cher Philippe Solers, je vous ai entendu dire, il y a longtemps, que les Bordelais ne vous aimaient pas. Eh bien, vous voyez que quand à Bordeaux, on passe brutalement du printemps indien à un froid quasiment sibérien, eh bien, les Bordelais sont quand même là pour Philippe Solers. Ils vous aiment. Ils vous aiment. Et nous allons parler de deux livres. L'un qui paraît aux éditions Le Cherche Midi et qui est un recueil d'entretiens intitulé « L'évangile de Nietzsche ». Et de Nietzsche, nous avons parlé longuement l'année dernière, je crois, à propos d'une... Cette année, au début de l'année. Au début de l'année. Et il y a donc une vie divine. Et il y avait aussi le DVD dont nous avions montré quelques extraits, n'est-ce pas, réalisé par un Bordelais. Et puis maintenant, il y a cet ouvrage d'entretien avec Marc Roy. Vincent. Vincent Roy. Vincent. Ici présent. Ici présent. Voilà. Vincent. Vincent. Et puis le second livre, c'est un ouvrage qui paraît aux éditions Hermann. Dans la collection Littérature, les éditions Hermann sont bien connues des scientifiques et des historiens de l'art. Il s'agit d'un ouvrage purement littéraire, bien qu'il soit... Dont le directeur, d'ailleurs. Dont le directeur est également... Saluons tout le monde. Vincent Marc Roy, ou plus exactement, Arthur Cohen se trouve ici aussi. Voilà. Donc les deux éditeurs ont fait l'amitié de se déplacer à Bordeaux. Quand vous venez à Bordeaux, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas dire que vous venez tout seul, n'est-ce pas, parce que vos deux éditeurs... C'est pour ça, on ne sait jamais, on peut venir avec des amis au cas où... On s'en dirait, mais ce n'est pas le cas. On va commencer par Fleur. Alors, on disait l'année dernière, justement, ou au début de l'année, je ne me souviens plus, que Nietzsche, on ne l'avait pas découvert tout d'un coup, et que cette passion pour Nietzsche, elle est ancienne, et elle apparaît dans votre œuvre de façon régulière. Les fleurs, c'est un peu la même chose. Bon, je crois que des journalistes ont fait remarquer qu'il y a que vous aviez écrit un roman qui s'appelait Le Lys d'or. On citait le début d'autres livres où il était question de fleurs, etc. Donc la fleur vous occupe depuis longtemps. Pourquoi soudain est-ce qu'il y a eu une opportunité particulière, une occasion qui a fait que vous avez eu soudain envie de parler et d'écrire sur les fleurs. Les choses se passent souvent de façon étrange, à savoir que le sujet qui va vous occuper se présente par des voies inattendues. Il se trouve qu'un jour, j'étais à déjeuner chez le très grand collectionneur Pierre Berès, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui vient de vendre sa collection ou une partie de sa collection pour des prix absolument faramineux, prouvant même par là qu'une vie entière de collectionneur est quelque chose comme un art de banquier suprême, c'est-à-dire ça consiste à accumuler des éditions rares de tous les temps et de toute provenance. C'est un homme étrange que ce Pierre Berès. Et qui, à son âge, encore très vif, était, il n'y a pas si longtemps, reçu par le ministre de la Culture pour porter en sous le bras le manuscrit de la Chartreuse de Parme, en faire don à la nation et à la République. C'était un moment assez émouvant. Le ministre lui-même était tout intimidé de prendre dans ses mains l'écriture même de Stendhal. Bref, un jour, nous déjeunons ensemble, c'est un vieil ami, et puis je le vois se lever tout à coup et aller chercher quelque chose dans une armoire. Et il me présente toujours silencieusement d'ailleurs, des fleurs peintes sur soie d'un botaniste très fondamental, mais tout à fait inconnu, dont j'ignorais le nom, Gérard van Spendonck, originaire de Hollande, dont l'élève, qui s'appelle Redouté, à lui était très célèbre comme un peintre de fleurs, et il les pose comme ça devant moi, il me demande de les observer, je les regarde par transparence,
et vous les avez reproduites ici dans ce livre de façon, je crois, extraordinairement soignée grâce à l'éditeur qui a, édité ce livre. Et voilà, et là il se tait, et moi je me tais aussi. Et voilà, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que mystérieusement, un peu plus tard, un jeune éditeur m'a proposé de faire quelque chose à ce sujet, ce qui n'était pas évident du tout. Mais alors, la biographie de Van Spaandorck, c'est-à-dire, en fait, celle des botanistes français venus du Nord, hein, ils viennent de Hollande, et ça c'est très important, de la Belgique, des Ardennes, Spaandorck. Ces gens sont là en opération en France vers la fin du XVIIIe siècle. C'est très passionnant de voir comment, brusquement, dans l'esprit de l'encyclopédie, c'est-à-dire dans l'esprit des Lumières, il y a eu la volonté de s'occuper concrètement de botanique, puisque Spaandorck a été le premier directeur du jardin des plantes, et en même temps le fait de commencer à classer les fleurs, à observer leur reproduction très spéciale, et à procéder par observation minutieuse selon l'art des jardins des plantes, et en même temps de commencer à les peindre de façon systématique, avec une grande délicatesse, sur soie ou sur vélin. C'est ce qu'on appelait à l'époque les peintures sur vélin, les vélins du roi, puisque ceci commence à la fin de la monarchie française. Ce qui est intéressant sur le plan historique, c'est que ces travaux tout à fait silencieux ont été poursuivis sans aucune difficulté à travers la Révolution, la Terreur, Napoléon, etc., que, à vrai dire, dans un pays qui était en plein bouleversement, personne ne s'est avisé d'entraver le moins du monde, la sérénité et le travail extrêmement précis de ces jardiniers, mais qui sont plus que des jardiniers, qui sont donc aussi de très grands artistes. J'ai présenté ce livre au Jardin des Tuileries il n'y a pas si longtemps, et une dame très, très sympathique se précipite et me dit « Oh, un livre sur les fleurs, est-ce qu'il y a des photos ?» Et je lui dis « Madame, non, il n'y a pas de photos. » D'ailleurs, des photographies de fleurs, c'est le contraire de l'essence même de la fleur. La fleur n'est pas médiatique, elle n'est pas photographiable, elle n'est pas filmable, elle ne rentre pas dans le système spectaculaire. Pour en avoir une idée, il faut passer alors au travail que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire soit par la peinture, ce serait un autre livre, mais là je parle à la fin du livre de quelques peintres fameux, notamment Manet, qui a fait à la fin de sa vie uniquement des tableaux de fleurs dans des vases ou dans des coupes de champagne, des fleurs absolument magnifiques, et puis évidemment Van Gogh, si vous y pensez, n'en parlons pas. Autre civilisation qui s'est intéressée obstinément aux fleurs depuis très longtemps, c'est la civilisation chinoise, avec des rouleaux absolument magnifiques que vous avez en considération étrange, puisque les fleurs sont mises toujours d'une façon... Enfin, l'orchidée, le chrysanthème, qui en Chine n'est pas la fleur que nous croyons ici, ou d'autres, la pivoine, par exemple... sont mis en relation toujours avec des oiseaux à travers des bambous ou des rochers, etc. Il y a toute une civilisation chinoise de la fleur qui est particulièrement intéressante, et c'est intéressant de se demander pourquoi c'est en Chine que ça s'est développé sur des rouleaux avec la calligraphie, les poèmes, etc. Et puis évidemment, les écrivains. Qu'est-ce qui se passe lorsque je me dis, tiens, je vais demander à ma mémoire, ma bibliothèque, en m'apprenant, chemin faisant, beaucoup de choses, des choses que je savais, mais des choses que j'ai approfondies, je vais demander à la bibliothèque de me raconter ce que les poètes ou les écrivains ont pensé, dit, écrit à propos de fleurs. Parce que ça les a beaucoup préoccupés. Et c'est comme ça qu'on peut partir, en commençant par le Cantique des Cantiques, de la Bible, vraiment, le thème est extrêmement vif à propos d'Ulysse. Dans la vallée, dira un écrivain
comme Balzac. Mais qu'il n'y est pas dans le livre. Il n'y est pas parce que c'était difficile de trouver les passages, mais j'ai un petit repentir, cela dit. J'aurais pu prendre des passages intéressants de Balzac. Mais enfin, bon, là, tout à coup, ce qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire variété et prolifération de la référence florale à travers les âges. Alors, bien entendu, par exemple, il faut se demander comment un poète comme Dante a eu cette idée ahurissante, qui nous paraîtra de plus en plus étrange, de transformer la Vierge Marie en rose céleste, blanche. C'est la fin du paradis, que viennent butiner des myriades d'apôtres, d'élus, etc. Pourquoi faire de cette apothéose virginale et florale le comble de la vérité interne au catholicisme, qui là se trouve être, en effet, bon, avec tous les thèmes que ça suppose, Immaculée Conception, Incarnation, Assomption, etc. Enfin, alors, on ne va pas parler de ça abstraitement, mais tout à coup, vous êtes devant une fleur gigantesque, admirablement décrite, hein, avec toutes ces... Où le poète est aspiré, il va contempler une rose blanche céleste. Bon. Après quoi, vous pouvez tout à coup vous passer, par exemple, tiens, au 11e siècle en Perse, il y a là un poète extraordinaire qui est un savant, astronome, mathématicien, qui s'appelle Omar Khayyam, qui a écrit des quatrains très célèbres et qui passait son temps dans c'est ce qu'il nous raconte à s'enivrer. Donc, d'un côté, il est tout à fait savant, maître de lui-même, n'est-ce pas, et de l'autre, et ce sont des quatrains en hommage au vin et à ce qu'il appelle. C'est tulipe, et la tulipe est un mot turc, d'ailleurs. La tulipe vient de là-bas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'où viennent les fleurs, par exemple. Je parlais de Spendonck, de Hollandais au départ. Ce n'est pas par hasard si la Hollande, à ce moment-là, est le pays qui commence à envahir, avec des tulipes, notamment, à pousser la connaissance florale, pour des raisons de navigation, etc., d'origines diverses. Alors, vous avez ce Omar Khayyam, quatrain célèbre, admirable de fermeté, et c'est drôle pour quelqu'un qui n'arrête pas de s'enivrer. Alors lui, c'est le vin et les tulipes, ce sont des femmes, n'est-ce pas? Ce sont des jeunes femmes. Donc le thème féminin est presque automatiquement associé au thème floral, que ce soit. Alors là, nous ne sommes pas du tout dans une virginité de l'au-delà découvert. Nous sommes au contraire dans le concret. Du vin et du plaisir vraiment corporel, tout à fait souligné, tout à fait religieux. Alors, vous voyez, d'ailleurs, vous avez les deux. Ensuite, écoutez, je ne sais plus, il y a évidemment des écrits au 18e siècle que je trouve chez Voltaire, chez Rousseau, etc. Bon. Les fleurs, mais évidemment, les fleurs du mal, bon, c'est-à-dire Baudelaire. Pourquoi est-ce que un poète au 19e siècle, contrairement à la tradition, mais là aussi vous allez trouver le thème sexuel et féminin, les fleurs du mal. Celui qui m'a le plus étonné, parce que je croyais le connaître à fond, c'est Rimbaud. J'ai cliqué, si je peux dire, fleurs chez Rimbaud. Et tout à coup, du texte des Illuminations, par exemple, sont sortis. Des textes que je connais, que j'ai lus 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois, et brusquement, le simple fait de les lire avec beaucoup plus d'attention, de les regarder, en fait, comme si j'étais botaniste, comme si je regardais leur fonctionnement interne, ces fleurs ont surgi. Alors, chez Rimbaud, les fleurs ont une fonction très étrange, parce qu'elles sont associées d'une façon illuminante aux bijoux, aux pierres précieuses, dans des descriptions absolument magnifiques. Il y a même un texte qui s'appelle « Fleurs » au pluriel, dans les Illuminations de Rimbaud. Illumination. Ensuite, écoutez, c'est très... Je vais vite, mais tout ça est passionnant. Quoi. Tout à coup, les textes sortent. Alors, Philippe, est-ce qu'on peut essayer d'aller un peu moins vite et revenir sur certains points? Il faudrait rester sur les textes précis. Oui. D'abord, je voudrais vous poser une question.
et que vous m'expliquiez pourquoi la fleur n'est pas médiatique et n'est pas photographique. Vous avez un grand photographe qui s'appelle Mapplethorpe, Robert Mapplethorpe, qui a passé sa vie à photographier à la fois des sexes de noirs et des fleurs. C'est une erreur sur les fleurs. Si ça avait été des sexes de femmes, ça... ce serait une erreur aussi. Ce serait une erreur aussi. C'est ça. Bon. Parce que quelle est la question ? Pourquoi la fleur n'est-elle pas photographiable ? Bien voilà, c'est ça la question. Parce que il y a cette représentation extravagante qui se trouve. Vous allez à Paris dans un restaurant qui s'appelle le Plaza au Four Seasons. Vous avez là, en effet, un Américain, tout à fait doué, qui vous présente des massacres entiers de fleurs dans des vases très bien choisis. Vous avez, c'est fou. Il y en a plein. C'est très beau. Et en même temps, c'est extraordinairement répulsif. Et c'est fait pour décorer. Et donc, ça me laisse totalement froid, c'est-à-dire j'ai envie de me faire offrir, pour le prix de la chambre éventuellement, une seule fleur, pas des tas. Des tas qui sont mortes, parce qu'elles sont faites comme si elles avaient été pré-photographiées pour exister. Alors, ça, c'est une critique que j'adresse à la société dans laquelle nous sommes, qui est, comme vous savez, une société de l'image, ça se voit à chaque instant, et en politique ô combien, c'est-à-dire que l'image ne convient pas à la fleur, parce qu'elle est d'une gratuité, c'est le Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi, n'a souci d'être vue, enfin, voilà. C'est-à-dire, bon, alors il y a là quelque chose qui ne convient pas à la saisie de la reproduction photographique, qui est mortifère, disons les choses. Donc vous photographiez une fleur, pourquoi pas ? Eh bien, elle est morte. Et pour l'observer, il vaut mieux passer par les mots ou par la peinture. Mais voilà. Certainement, des photos de fleurs, j'en ai vu plein. J'aime autant vous dire que, pourquoi pas, il y a des catalogues entiers, il y a les iris, etc. Voilà. Il y a les calendriers de la Poste et puis les photos partout. De Mapplethorpe. Alors, c'est pas du tout la même chose. Mapplethorpe a voulu dire quelque chose de sexuel. Oui. Ça, c'est pas les calendriers des Postes qui vont le dire, sauf que l'Angélus de Millet, vu par Dali, éventuellement, une signification érotique. Mais je crois que ça, c'est du montage. Et bon, Mapplethorpe doit être un grand photographe, c'est certain. Mais la question est la suivante. Les lourds mammifères que nous sommes ont un problème de fascination et d'étrangeté par rapport aux fleurs. Parce que les fleurs leur représentent dans leur fonctionnement incessant, c'est un brasier d'intrigues, les fleurs. Il faut regarder un massif de fleurs l'été, tranquillement, et voir comment les papillons, les bourdons, etc., s'occupent de ça, comment il y a une sorte de constant va-et-vient de reproduction qui ne passe pas, que je sache, par la sexualité telle que les mammifères l'entendent. Remarquez, très bientôt, la reproduction pouvant être faite de façon purement génétique, la question se posera de moins en moins. Mais elle a obsédé, en effet, beaucoup, le mammifère humain reproducteur par la sexualité. Vous parlez des orchidées qui ont une sexualité particulière. Pardon ? Les orchidées. Alors, là, nous entrons dans une révélation supplémentaire avec Proust. Proust, là aussi, ça m'a appris beaucoup de choses. Proust a fait beaucoup de botanique. Ses descriptions de fleurs et de sensations, alors. Parce que les fleurs, c'est des sensations. Les sensations qui font jouer les cinq sens. Un, vous les regardez. Bon, très furtivement et mal. Vous offrez des fleurs rapidement, vous ne savez pas très bien. Vous achetez des fleurs, vous les offrez. Il y a eu tout un langage codé des fleurs. Mmh. Par exemple, je cite le langage codé des fleurs encore au 19e siècle, les moyens de communication n'étant pas ceux que nous avons, où on pouvait s'adresser des messages avec des fleurs. Par exemple, j'envoie, en général, c'est entre hommes et femmes, mais comme je le dis, je crois justement, toute personne qui reçoit des fleurs est par définition féminisée, même si c'est un homme. Alors, donc, il y a un langage codé.
Par exemple, j'envoie à une femme qui, pour que le message ne soit pas intercepté, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... je lui envoie 7 glaïeuls, et ça veut dire qu'on a rendez-vous à 7 heures. Voilà, des choses comme ça. Oui, ça s'est fait beaucoup. Et c'est très amusant. La signification des fleurs, le codage, bon, je fais la liste, pas la passion, l'attente, le souci, au contraire, le désir flamboyant, ben, bref. Et donc, Proust, alors là, lui, il entre alors avec les cinq sens. C'est ça qui me semble important pour parler des fleurs. Vous les regardez, vous les sentez. Vous pouvez même les manger, puisqu'on met des pétales, vous savez, dans le, parfois, comme ça, sur les liquides. Vous les touchez. Et alors, là, est-ce que vous les écoutez? Voilà le problème. Eh bien, tous les auteurs que je cite, en effet, se mettent à écouter les fleurs, comme si elles avaient un langage, en effet, particulier. Et les mots peuvent arriver à traduire le langage des fleurs. C'est la poésie qui est centrale dans cette affaire. Donc, vous avez les cinq sens en alerte. Proust vous parle alors, d'une façon absolument magistrale, des émotions qui le saisissent en sentant dans la petite église qu'il fréquente dans la recherche du temps perdu. Là aussi, nous entrons dans le domaine catholique. C'est ça qui est très intéressant. Le catholicisme se prête à cette olfaction, à cette vision, à cette sensualité particulière, parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Enfin, il y avait en tout cas beaucoup de fleurs, il y en a encore, dans les églises. On n'imagine pas des églises sans fleurs. Bon, c'est des églises catholiques. C'est puissamment évocateur. Là, il y a des descriptions d'Aubépine, par exemple, du jeune Proust, enfin, sans parler du cabinet où il s'isole et qui sent l'iris. Oui, c'est ça. Oui, il le dit carrément, d'ailleurs, se caresser de temps en temps et lire. Et donc, il y a tout un auto-érotisme, là, tout à fait étonnant. Alors, c'est les aubépines, et je vais vite, il y a d'autres choses, bien sûr, mais il y a le fameux Cattleya, c'est-à-dire l'orchidée. Cattleya, ça s'écrit, la fleur s'écrit avec deux T, Proust l'écrit avec un seul T, ce qui est fortement intéressant. Alors, les orchidées, elles sont hermaphrodites pour la plupart, c'est-à-dire elles peuvent parfois avoir de très gros ennuis de reproduction si elles n'arrivent pas à s'autoféconder, etc. Voilà, parce qu'il faut que le pollen... J'ai fait l'hypothèse suivante, d'ailleurs sur moi-même, en me demandant qui connaissait exactement la façon dont les fleurs fonctionnent. Qu'est-ce que c'est que les étamines, le pistil, le pollen, etc. C'est fait comment? Ça fonctionne comment? Ben, j'ai été obligé de me remettre un peu à l'école. Oui, mais il y a un chapitre... Et à regarder des schémas. Mmh. Et je fais le pari, d'ailleurs, que la plupart des gens, même cultivés, mais même pas... Sauf, évidemment, le pépiniériste qui sait exactement de quoi il s'agit, et qui d'ailleurs m'a donné de très bons conseils, la plupart, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que tout ça est venu par la botanique, hein, par l'observation minutieuse du fonctionnement. Eh bien, qu'est-ce que ça, comment ça fonctionne? Voilà, comment est-ce que les fleurs, elles reviennent, elles renaissent, etc. Là-dessus, vous tombez sur une idéologie énorme à propos des fleurs, à savoir que les fleurs sont périssables. Qu'elles vont s'assureront ça, mais en allant voir si la rose qui ce matin avait éclos sa robe de pourpre au soleil n'a pas perdu cette vesprée, etc. Donc, Ronsard est intarissable là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut convaincre la femme aimée qu'il faut qu'elle jouisse tout de suite de sa beauté ou de son corps parce que ça va se faner très vite et qu'elle va vieillir et qu'à ce moment-là elle n'aura plus aucun intérêt. C'est donc le thème mélancolique qu'on voit surgir, mais érotico-mélancolique, parce qu'il y a érotico-prédateur, il y a toutes les nuances. C'est le thème mélancolique, c'est-à-dire qui peut être traduit par un cliché très connu, c'est-à-dire de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. Alors je renverse cette proposition qui me paraît très idéologique par rapport au temps, et je vous dis, et je crois que c'est plus juste, de mémoire de rose, nous avons vu mourir des millions de jardiniers. Et c'est là où l'introduction, je prends James Joyce, ce très étrange personnage, qui, vous vous en souvenez sûrement, à la fin d'Ulysse, vous décrit une défloration. C'est Molly Bloom qui est là,
en train de choisir l'homme qui va la déflorer. Celui-là, pourquoi pas celui-là, aussi bien qu'un autre. Elle dit oui, oui. C'est le fameux monologue de Molly, à la fin. Elle va donc perdre sa fleur de montagne. Nous sommes du côté de Gibraltar, et même tout à fait à Gibraltar. Et le passage est absolument formidable. La défloration. Parce que c'est que la défloration. Pour autant qu'on se... Ça n'a plus grand sens aujourd'hui, vous me direz, mais enfin, ça a beaucoup occupé les imaginations. Et Joyce dit cette chose étonnante dans... Il fait ce livre très, 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 très difficile à lire, paraît-il, qui s'appelle Finnegan's Wake, qui est vraiment le livre de la fin de sa vie. C'est plus beau. Et oui, et tout à coup, il introduit une phrase très claire en français d'Edgar Quinet. Avec un... Et bizarrement, il s'agit d'une phrase sur les civilisations, les fleurs. Et c'est une phrase très étonnante qui montre à quel point il réfléchit intensément à ça, où il dit « Les civilisations ont disparu, les grands empires sont tombés, les villes antiques sont en ruine, mais à l'endroit même où tout ça s'est passé, les fleurs repoussent exactement de la même façon, etc. etc. » C'est une phrase très belle d'Edgar Quinet, manifestée dans un très bon français de cette époque. L'idée est très claire, c'est-à-dire en effet, vous êtes mortel, vous êtes un lourd mammifère mortel, et les fleurs... existeront après vous, elles repousseront sur votre tombe, si on peut dire, n'est-ce pas? Voilà. Et ça me paraît intéressant d'insister un peu là-dessus. Je voudrais qu'on revienne sur deux choses, puisque c'est une promenade... Et d'ailleurs, ça tombe bien avec Nietzsche, puisque là, il y a l'idée, d'ailleurs, parallèle, explorée avec les excellentes questions que me pose Vincent Roy, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'éternel retour? Parce que... vous aviez eu la gentillesse de m'interroger à ce propos pour mon roman qui s'appelle Une vie divine. Évidemment, nous sommes encore une fois là sur la question du temps et perturbé et à repenser selon le premier qui a mis l'accent. Alors là, tout l'accent là-dessus, c'est-à-dire pas seulement Proust dans la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, mais Nietzsche en pensée directe. Pardon. Alors, Proust, justement. Proust, je pense que c'est le chapitre le plus long. Et oui, parce que c'est... C'est inépuisable. Parce que là, c'est très précis, très documenté, très drôle, puisque quand même, la scène la plus étonnante est la suivante, c'est-à-dire que vous vous rappelez cette fameuse scène dans la cour de l'hôtel de Guermantes, c'est la duchesse qui a mis son orchidée ne se reproduit... Enfin, voilà, elle attend qu'il se passe quelque chose, un peu comme si... Et qu'un bourdon vienne visiter sa fleur, hein, tout ça. Tout ça est ironique, comme admirable de la part de Proust. Jamais il ne tombe dans une grossièreté organique. Mais enfin, il est clair que ça préoccupe beaucoup cette orchidée. Et puis, brusquement, alors là, c'est la scène fameuse entre Charlus et Jupien dans la cour de l'hôtel de Guermantes. Et là, les métaphores alors affluent et Proust décrit tout ce qu'il considère comme ayant à la fois une sorte de ridicule et en même temps une sorte de beauté, comme si c'était la rencontre, en effet, entre une fleur, un insecte et la danse de séduction qui se produit à ce moment-là, alors que les corps mammifères en question sont décrits aussi par lui comme plutôt bedonnant, plutôt vieux, et tout à coup transformés, transfigurés par le désir qui les habite. Ils deviennent fleurs et bourdons. Alors c'est un passage fameux, mais sur lequel on peut s'arrêter quand même un instant pour voir ce qui se passe à ce moment-là. Et justement, à propos de Proust, il y a Proust est génial. Hein. Oui. Non, mais dans ce passage-là. Dans ces passages-là, ouais. Oui. Oui, je crois que c'est là qu'il m'a le plus loin. Il y a une chose qui m'a un peu surpris, c'est que évidemment, donc vous parlez. Des Cattleya, faire Cattleya. Alors, qu'est-ce que c'est que faire Cattleya? Faire Cattleya. Bon, est-ce que vous avez trouvé voilà. Ça, c'est très. Par exemple, bon, ça, c'est. Non, mais c'est inouï, n'est-ce pas? Bon, le langage codé entre Swann et Odette, voilà, c'est faire Cattleya. Alors, ça commence par le fait que Swann est un peu intimidé par Odette, hein, qui pourtant, disons-le, le mot prostituée est trop lourd. Cocotte, comme on faisait à l'époque. Enfin, c'est l'époque où il y avait des femmes, disons, entretenues. Il y a un livre, d'ailleurs, que je vous recommande, qui s'appelle « Le livre des courtisanes » qui vient de paraître, je ne sais plus chez quel éditeur,
qui fait le catalogue de incroyable, d'ailleurs policier, des femmes entretenues. C'est exactement le temps de Proust. Hein. Par exemple, Sarah Bernhardt. Les biographes de Sarah Bernhardt ne se sont pas rendus compte que très, très, très âgée encore, elle l'entretenait comme ça, elle se faisait entretenir comme ça par 4 ou 5 amants, etc. Bon, il y a beaucoup d'argent dans cette affaire, bien sûr. Et le sexe et l'argent, les fleurs. Donc, Swann est timide, et alors il rentre en voiture, et alors il lui arrange un peu les fleurs dans son corsage, mais il n'ose pas aller plus loin à l'époque. Comme ça. Il y a des gens timides, après tout, ils ont leur chance aussi, peut-être même plus que d'autres. Et donc, ils vont donc ensuite passer à l'action, laquelle Proust ne vous décrit jamais rien, sauf dans le cas de Charlus, enfin, lorsqu'il va au bordel, etc. Mais là, il est très pudique, et d'autant plus fort qu'il est pudique, en somme. Et ils appellent ça entre eux faire Cattleya. Alors, ils rentrent de temps en temps, ils font Cattleya. Vous avez votre imaginaire, chacun et chacune d'entre vous, et vous avez qu'à vous demander ce que c'est que de faire Cattleya. Voilà. Mais c'est une orchidée qu'il écrit avec un seul T. Oui. Cat, c'est anglais, ça aussi. Voilà. Dans le genre, au contraire, alors très, pardon. Allez-y. Dans le genre. Je garderai mes questions pour plus tard. Non, je vous écoute. Je vous les poserai ce soir. Allez-y. Pardon. Vous attachez bien sûr beaucoup d'importance au Cattleya. Bien sûr, beaucoup d'importance à l'Iris, le petit cabinet sentant l'Iris. Vous avez parlé tout à l'heure de. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les aubépines, qui sont essentielles, et le côté religieux catholique dont vous avez parlé tout à l'heure. Et alors, j'ai été surpris par... L'arbuste catholique, dit Proust lui-même. J'ai été surpris par l'absence de deux fleurs chez Proust. Mais on me dirait qu'il y en a tellement, et puis que c'est du... Oh oui, il y a un choix. C'est pas exhaustif. Ouais. Bon. D'abord, il y a un... Dans la recherche du temps perdu. Alors, est-ce que c'est un volume de la recherche ou est-ce que c'est un développement qui se termine par... le narrateur contemple un orage et devant la pluie reviennent tout d'un coup les souvenirs du côté de mes églises et il... Et il dit tout d'un coup, alors je ne peux pas citer Proust textuellement, ça se termine par cette phrase, l'odeur des invisibles et persistants lilas. Alors vous ne parlez pas des lilas, on a noté dans la presse que la closerie des lilas, n'est-ce pas, était un endroit que vous fréquentiez, et je vous y ai vu régulièrement. C'est vrai qu'à part Proust... Et par ailleurs, le lilas, dans la typologie, enfin la symbolique, ou je ne sais pas comment appeler ça, que vous reproduisez, le lilas est le signe de l'amitié. C'est très juste, oui. Oui. Et alors là, parce que c'est l'odeur des invisibles et persistants lilas. C'est-à-dire que est-ce que vous vous intéressez justement exclusivement à la fleur d'un point de vue érotique, ce qui est, alors vous venez parler du temps. Vous venez de parler du temps. Chez Nietzsche, persistant, chez Proust. Persistant. L'odeur des invisibles et persistants lilas. Persistant. Voilà. Persistant. C'est le mot clé de la formule qui est admirable. D'ailleurs, oui. En revanche. Pour ce qui est de l'œillet et du mimosa, j'ai pu m'appuyer sur Ponge, qui a fait là, parmi bien d'autres, des textes tout à fait extraordinaires, dont je montre d'ailleurs à quel point parfois il est embarrassé dans ses métaphores érotiques. Alors le texte de Ponge. Je finis avec Proust et on passe à Ponge. Non, on passera à Ronsard après, si vous voulez bien. Et puis alors, l'autre... Fleur qui manque. L'autre fleur, l'absente... De tout bouquet, oui. Enfin, il faudra parler de Mallarmé aussi. Ah ben oui, oui c'est ça. C'est... Ça y est, j'ai
force d'aller à droite et à gauche, je ne sais plus où je vais. Dites-moi quelle est la fin. J'ajouterai le lilas. Oui, oui. On va faire une réédition, cher Herman, n'est-ce pas? On va. Il faut ajouter. Il faut noter. Ajouter le lilas, les invisibles et persistants lilas. Ça ment. Oui. Et je ne sais plus. Bon, on dira, ça me reviendra. J'espère. Bon. Non, mais c'est très très important. Il faudra rajouter aussi Rose, 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 Gertrude Stein. Bon, alors, vous avez également parlé de Ronsard, bien sûr que. Mais alors, vous dites que. Vous dites que Ronsard. Ronsard, il a passé son temps à écrire des poèmes comme ça. Bien sûr, vous avez parlé. On connaît à peine deux ou trois, mais. De ce procédé moyennement élégant, d'ailleurs, qui consiste à dire à la belle. À la fraîcheur d'une rose. Donc, donc c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut. À mon avis, ce n'est pas un bon moyen de séduction, mais enfin bon. C'est maintenant qu'il faut céder à mes avances, ou après, ce sera trop tard. Mais alors, ce qui me paraît plus intéressant, c'est que vous considérez Ronsard comme une espèce de tournant. Oui. Hein? Dieu est donc en train de mourir, les fleurs ne sont plus éternisables, on perd les fleurs du bien, on les retrouvera dans le mal, Ronsard est à la charnière des temps modernes, c'est exact, oui. Il vibre, il est inquiet, etc. Oui, je crois que ça peut se justifier si on regarde la façon dont le monde occidental, attention, parce que pendant ce temps-là, en Chine, il se passe tout à fait autre chose, dans le monde occidental et sa métaphysique subissent là une première cassure. Qui va aller en s'aggravant, alors évidemment Baudelaire, avec l'exception très notable, très étrange, de Proust et de Rimbaud. Mais Rimbaud va se taire. Il vous découvre tout à coup un monde absolument magique, enchanté, où les fleurs, les pierres précieuses, se mélangent, le minéral et le végétal sont en cours de mariage, entre guillemets, dans le ciel, l'enfer, tout ça. Et puis, alors, ça va aller de plus en plus mal jusqu'à... Je crois que la fin est assez... Alors, nous allons passer par Ponge, qui s'acharne, en effet. Ah oui, alors... Mais nous allons... je finis pour montrer à quel point, là, vraiment, on va aller à l'opposé, balancier. On ne sait pas s'il y aura quelqu'un pour faire renaître les fleurs, en tout cas, peut-être moi. Ouais. Mais on arrive chez Beckett. Et alors, le texte de Beckett, qui s'appelle « Premier amour », qui est d'une extraordinaire drôlerie, si ça vous ennuie pas, je vais... Parce que le mot « jacinthe », voilà... Premier amour, je ne sais pas que, si sauf si que je fais bien. Comme on en parlait à midi, je fais comme tout le monde, je mets des annotations dans la marge, alors ne les lisez non, pas. Non, ça c'est Beckett, et c'est très très drôle. Si vous avez ce texte, je vous le recommande, ça s'appelle Premier amour, c'est un texte extraordinaire, c'est très court. Un texte très court, et à mon avis, publié aux éditions de minuit. Oui, assez tardivement, en 1970. C'est un texte, à mon avis, tout à fait fondamental. Là, voilà ce que je dis. Vous avez dans Beckett, de plus en plus, un rétrécissement absolument formidable dans sa négation de ce qui est en train de se passer. Et là, il s'agit d'un homme, n'est-ce pas, qui est squatté par une femme qui l'a ramassé sur un banc, qui est de plus en plus rejeté au fond d'un appartement, métaphore peut-être pour notre temps, on ne sait jamais, et qui est obligé de vivre quasiment en reclus pendant qu'elle occupe de plus en plus tout l'espace, et qu'un jour, elle reçoit évidemment, elle vit de prostitution, pendant que lui est de plus en plus mis comme un déchet. Et un jour, d'ailleurs, elle se présente à lui comme étant enceinte. C'est pour ça que le mot jacinthe qui va apparaître est formidablement intéressant. Et parce qu'on entend aussi le jacinthe du Sigi, enfin en latin. Beckett est toujours extraordinairement vigilant sur l'emploi de ces mots. Et elle se présente à lui comme étant enceinte. Et elle lui dit, à sa grande surprise, parce que tout ça le laisse de plus en plus accablé. Elle lui dit, je sens déjà l'enfant bondir dans mon ventre, à quoi le narrateur lui répond, ah, s'il bondit, il n'est pas de moi. Alors, plus de femmes, plus de fleurs, ou bien seulement de vieilles femmes et de vieilles fleurs. Voilà vers quoi on va. Chez Beckett, mais peut-être partout ailleurs. Fin de partie. Fin d'un monde. Un homme, ou ce qu'il en reste, est squatté par une caricature féminine et vit cloîtré dans sa chambre. Elle sera bientôt enceinte, mais évidemment pas de lui, etc. Ici, la jacinthe
où il faut entendre le jacet latin du sigi, hic jacet, hein, jacinthe, et le mot enceinte, bien sûr, dit tout. Et voilà le texte de Beckett que je vous lis parce qu'il est très beau, terriblement drôle ou drôlement terrible. Un jour, je lui demandais de m'apporter une jacinthe vivante dans un pot. Là, art suprême de la ponctuation chez Beckett, parce que le mot vivante est en entre deux virgules. Je relis. Un jour, je lui demandais de m'apporter une jacinthe, virgule, vivante, virgule. Excusez-moi de rire, mais ça va. Dans un pot, je trouve ça irrésistible. Elle me l'apporta et l'a mis sur le dessus de cheminée. Il n'y avait plus dans ma chambre que le dessus de cheminée où l'on put poser des objets, à moins de les poser par terre. Je la regardais tous les jours, ma jacinthe. Elle était rose. J'aurais préféré une bleue. Au début, elle alla bien. Elle eut même quelques fleurs. Puis, elle capitula. Ce ne fut bientôt plus qu'une tige flasque parmi les feuilles pleureuses. Je n'ai pas besoin d'insister, hein, vous entendez bien ce qu'il écrit. Une tige flasque parmi les feuilles pleureuses. L'oignon, à moitié sorti de la terre, comme à la recherche d'oxygène, sentait mauvais. Anne voulait l'enlever, mais je lui dis de la laisser. Elle voulait m'en acheter une autre, mais je lui dis que j'en n'en voulais pas d'autre. Ce qui me dérangeait davantage, c'était d'autres bruits, petits rires et gémissements dont l'appartement s'emplissait sourdement à certaines heures, aussi bien de jour que de nuit. Enfin, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas lu, ce texte absolument superbe. Et là, nous sommes alors à la fin du cycle, n'est-ce pas ? Après, vous voyez depuis la rose céleste qui se fait butiner par les saints et les apôtres jusqu'à la triste capitulation d'une jacinthe dans une chambre. Voilà l'histoire occidentale. Et juste après, je passe à la Chine. Ouais. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire sur Proust. Mais c'est pas entendons-nous bien, n'est-ce pas? Je ne dis pas que ce sont des choses qui manquent dans le livre. De toute façon, quand on fait ce genre de livre, il manque beaucoup de choses, on fait des choix. Et je trouve que c'est même une des beautés du livre. C'est-à-dire que un beau livre, c'est un livre qui continue à vous habiter après qu'on l'a lu. Et c'est un livre qu'on continue soi-même à écrire, d'une certaine façon, n'est-ce pas, intérieurement. Et j'ai continué à l'écrire intérieurement après l'avoir lu. C'est un compliment. Voilà. Et donc, il y a un passage chez Proust, qui est un très beau passage, où il rêve sur le nom de Parme. Vous connaissez ? Alors, c'est la violette, à ce moment-là. Voilà. Alors, c'est la violette. Alors, il rêve sur le nom de Parme, la densité du mot, etc., et sur la violette de Parme, et le passage se termine. Il passe de Parme à Florence, Florence, la ville des lys d'or, et dont la cathédrale s'appelle Sainte-Marie des Fleurs. Or vous parlez de Genêt, de Notre-Dame des Fleurs, etc. Il ne faut pas oublier Genêt. Voilà, on va parler de Genêt. Et je me suis dit, ça c'était pour cela. Il y a eu une violette dans votre adolescence, non ? Oh oui, bien sûr. C'était l'amie anglaise de ma famille qui fait que son mari ayant été tué à Dunkerque, elle a pu quand même vivre assez clandestinement. Et ça a permis de faire passer beaucoup de messages en Angleterre. D'ailleurs, à l'âge de, qu'est-ce que j'ai, 10 ans, à Bordeaux, oui, on a été invité en remerciement au consulat britannique. Et j'étais assez mignon, je dois vous dire, dans un petit costume de flanelle grise. Millions. Et donc la reine Mary, très jolie odeur de la poudre comme ça. Et alors elle m'a embrassé, je ressens encore ça. Et ici Londres, les Français parlent au français. Elle a dit ça que j'entends, comme je vais essayer de vous le restituer, et c'est très beau. Nous voici donc revenus dans notre bonne ville de Bordeaux.
Deux siècles anglais. Ponge, c'est assez étonnant, parce que moi, je ne connaissais pas les passages de Ponge que vous citez. Je ne connaissais pas ce livre qui s'appelle... Ah, La rage de l'expression, ouais, c'est un de ses plus beaux. Alors, bon, moi, je connaissais le parti pris des choses, etc. Mais ce sont des passages extraordinairement... Alors, vous dites qu'il est... Oui, il est sans doute gêné, un peu, mais c'est extraordinairement... audacieux. Ça fait partie des... puisque l'érotisme est mis en avant dans le livre, n'est-ce pas ? Ça fait partie des passages les plus érotiques. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi le yé lui évoque Il faut lire ce recueil, enfin, La rage de l'expression, dans des textes magnifiques, La Monnaie, le carnet du bois de pain, etc. Enfin, je ne vais pas vous présenter Ponge, je suppose que vous savez à peu près ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire rentrer dans les choses elles-mêmes avec le langage qui convient. Et d'après lui, ce n'était jamais le cas, c'est-à-dire, encore une fois, on dédaigne l'observation, ne pas s'interroger. Alors il se place devant un œillet, tout à coup il choisit l'œillet. Il y a d'autres sujets, il y a la guêpe, il y a le bois de pin, il y a un ciel de Provence, il y a des... c'est, tout ça est très, très, très curieux, très beau. Enfin, ça a été vraiment un très grand ami lorsque j'étais très jeune. Je peux dire même que j'ai travaillé dans son atelier, voilà, comme on disait les peintres autrefois. Donc, l'œillet, pourquoi est-ce que tout à coup, c'est très beau l'œillet, bon, il a des tas de métaphores, dont certaines d'ailleurs sont religieuses, il faut souligner qu'il est protestant. Alors brusquement, il voit une foule sortir de la communion, enfin de la messe, bon, bizarre. La communion. Et puis, ça l'amène à, quand même à évoquer une culotte de fille jeune et propre, déchiquetée à belles dents. Puis il s'en tient là parce qu'il y a... Mais alors, on aimerait en savoir davantage. Pourquoi tout à coup, cette culotte propre d'une jeune fille qui se tient très bien est-elle déchiquetée à pleines dents? Les siennes, je ne sais pas. Alors, pour le mimosa, ça devient encore plus étonnant, parce que le mimosa lui évoque d'ailleurs des souvenirs de sensualité. Il est enveloppé. Bon, le mimosa... voilà, j'ajouterai le lilas et la violette de Parme, mais enfin, avouez que le mimosa est très... Ah oui, le mimosa, et puis c'est très pongien parce que en même temps il dit ça, en écrivant il dit sa difficulté à écrire sur le mimosa. La question, voilà, c'est ça. Il a des difficultés à imaginer, comme tout le monde, à imaginer la dépense pour rien. Or les fleurs, c'est ça. Donc à la limite, on a toujours l'impression que ça va ressurgir l'idée que la fleur n'est qu'un moment pour le fruit. Or vous voyez, c'est une hantise, ça. Et Ponge est habité aussi par... La dépense pour rien, c'est les fleurs. Et ça, vous n'allez pas me dire que c'est d'une gratuité totale. Alors, bon, bien sûr, on peut les acheter, les vendre, les photographier, tout ce que vous voudrez, essayer de les faire rentrer dans le système. Mais c'est une intense activité pour rien. La rose est sans pourquoi. J'ai lu Silésius, c'est pour ça que ça pue. Inspiré alors ce mystique de la contre-réforme baroque, qui lui alors se félicite, enfin se trouve que là il y a là quelque chose d'absolument divin dans l'existence des fleurs qui fleurissent. Pourquoi? C'est pas pour vous faire plaisir, vous soyez là ou pas, ça n'a aucune importance. Donc, elles le font pas non plus pour être photographiées ou vues, n'a aucun souci d'être vue, fleurie parce qu'elle fleurit. Voilà, donc gratuité. Dépense beauté, gratuité. Voilà. Et ça, c'est tellement contraire au calcul, à la prise en main par la technique de toutes les habitudes des mammifères, qui va s'aggraver, que moi, ça m'a donné envie de montrer que tout ça, c'était pour rien. C'est gratuit. Dans ce florilège... Florilège. Ouais, florilège... Il y a deux écrivains, le roman de la rose, quel est l'auteur exactement? Il y a deux écrivains avec qui vous êtes sévère, les auteurs du roman de la rose et Mallarmé, l'absence de tout bouquet. Oui, il y a longtemps que j'avais envie d'en découdre un peu. Ce que j'ai en vue là, c'est la façon dont Mallarmé occulte Rimbaud. Je crois que le très grand novateur, c'est Rimbaud. Mais je pense que si on regarde vraiment l'extraordinaire richesse
savants des illuminations, par exemple, que personne, à mon avis, ne lit vraiment. On est toujours dans le mythe, Rabot, Verlaine, Saison d'enfer, et encore sans lire. Bon, peu importe. Mais Mallarmé, les fleurs deviennent des idées. Et l'absence de tout bouquet, c'est célèbre. Non, c'est Platon. Ah, je le crains. Je le crains. Donc, la fleur se raréfie en idées. Hein. Et donc, du coup, les trop grands glaïeuls, par exemple, tout ça, il y a quelque chose, il y a comme une sorte de... Le drame de Mallarmé est là très visible, je crois, dans la prose pour des essaims, hein, c'est-à-dire là. Qui demande, à mon avis, je crois que c'est la première fois je me suis permis de dire que il n'y avait pas vraiment de fleurs chez Mallarmé, quoi. Voilà. D'où l'absence de tout bouquet. Je dis une fleur, et tout à coup, voilà. Et l'embêtant, c'est que si les fleurs évoquent la substance féminine, on peut se diriger en effet vers la disparition de cette substance à travers une conception de la fleur comme idée. N'est pas simplement cérébral. Il y a le poème sur la négresse par le démon secoué, etc. Oui, ça c'est Baudelaire. C'est Baudelaire. Quoi ? Ça vient de Baudelaire. Oui, c'est Baudelaire. Le grand poète, c'est Baudelaire, oui. Et Baudelaire, oui, bien sûr. Au passage, je vous signale que, à ma connaissance, il n'y a pas eu un seul livre écrit sur la maîtresse de Baudelaire, Jeanne Duval. Carteronne, donc il y a un racialisme dans les études historiques qui me paraît tout à fait sensationnel. On ne sait pratiquement rien de la femme qui a inspiré à Baudelaire parmi ses plus beaux poèmes. Alors je vous demande pourquoi. Moi, j'ai ma réponse, mais je trouve qu'il vaut mieux rester sur le pourquoi. Mm-hmm. En revanche, Genet, qui est un très grand poète, oui, alors Genet. Nous passons à l'autre bord. Ah. Et donc là, alors là, les choses... le roman de la rose, je laisse un peu tomber parce que on se fatigue très vite. Et donc c'est du français encore. Mais qu'il y ait pu y avoir là aussi ce titre-là et cette idée que la rose était quelque chose qu'il fallait cueillir, enfin, que le désir devait aller jusqu'à s'emparer vraiment de cette rose. Il y a d'ailleurs là, dans toute cette affaire, des allusions alchimiques qui sont tout à fait évidentes. Je n'avais pas le temps de développer. On pourrait faire un texte sur la signification florale dans l'alchimie, par exemple. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui sont très intéressants de ce point de vue. Mais alors Genet, lui, vous êtes devant le miracle de la rose, Notre-Dame des fleurs, etc., etc. Bon, là, vraiment, ça abonde et d'une façon tout à fait impressionnante. Là, je donne des exemples qui montrent à quel point ça vient aussi de Proust. Il y a une sorte de parenté. Notre-Dame des fleurs, c'est quand même un jeune truand, etc., qui, voilà... Et là, le floral, alors, ce sont des corps de mâles ou de travestis. C'est un autre département. Il y a tout. Cela dit, tous les goûts sont, dans la nature. Ah bon. Merci. Il y a un beau passage sur le rapport avec son nom et le Genet. Oh, admirable. Il faut le lire parce que je crois que c'est très très beau parce que il est oui, c'est très touchant ça. Genet. Oui. Quand je rencontre dans la lande des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi et peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles sont mon emblème naturel. Mais j'ai des racines par elles dans ce sol de France, nourri des eaux en poudre des enfants et des adolescents enfilés, massacrés et brûlés par Gilles de Rais. Donc vous passez tout de suite d'une évocation florale innocente au crime. Au crime. Ça c'est Genet, hein, c'est-à-dire que immédiatement ça. Voilà.
Donc ça, ça c'est tout à fait lui. Voilà. Par exemple, il découpe, il est en prison, hein, et il découpe, nous sommes en 1942 à Fresnes, et il découpe dans les journaux les photos de ces sombres fleurs, hein, c'est-à-dire des condamnés qui ont été guillotinés. Et voici comment il en parle. Les journaux arrivent mal jusqu'à ma cellule, et les plus belles pages sont pillées de leurs plus belles fleurs. C'est mac comme jardin en mai. Les grands macs inflexibles, stricts, sexes épanouis, dont je ne sais plus s'ils sont des lys ou si les lys et sexes ne sont pas totalement eux, ouais. Au point que le soir, à genoux, j'embrasse de mes bras leurs jambes. Voilà. Et je commente en disant, Genet dans sa cellule parle comme une religieuse au couvent. C'est Sainte Genet, pas du tout comédienne et martyre, et encore moins martyre, ces extases emprisonnées, mais libres, visent un rien, un vide, une fleur de mort, comme la fleur de lys sur l'épaule des voyous d'autrefois. Et en effet, tout de suite, rappel de la famille. Le lys est... Les femmes aussi. Les femmes, bien sûr. Alexandre Dumas. Voilà. Bien sûr. Et donc, le lys, évidemment, a une très longue histoire. On disait les lys pour la France, hein, c'est-à-dire on disait pas la France, on disait les lys, le royaume des lys. Il y a une chose qui m'a amusé, c'est que vous les roses, les lys. Après, je vous pose une dernière question et après on passe à Nietzsche. Et c'est que vous citez Guy Debord. Absolument. Vous savez que évidemment. C'est pour ça que vous le citez, parce que... C'est pour répondre, une fois pour toutes, à l'histoire des citations. Dans vos livres, etc. Mais écoutez, il faut la lire. Les citations sont utiles dans les périodes d'ignorance ou de croyances obscurantistes. Voilà. Les allusions sans guillemets à d'autres textes que l'on sait très célèbres, comme on en voit dans la poésie classique chinoise, dans Shakespeare ou dans Lautréamont, doivent être réservées aux temps plus riches, en tête capable de reconnaître la phrase antérieure et la distance qu'a introduite sa nouvelle application. Voilà. Et là, vous venez de nous lire un passage. C'est Saint Genet, pas du tout comédienne et encore moins martyr. Je suppose que malgré que ça n'ait pas été évoqué, dans le film, sur Sartre, qui est passé récemment. Il faut savoir que Sartre a écrit Saint Genet, comédien. Voilà. Dans Proust, vous parlez des Cattleya là. N'empêche, Odette mérite d'être un nom de fleur. Donnez-moi un Odette, c'est-à-dire un Cattleya. Oui, celui-là. Bien que ce ne soit pas mon genre. Il faut quand même savoir que Un amour de Swann se termine sur tout cela pour une femme qui n'était pas mon genre. L'amateur que vous êtes reconnaît là quelque chose qui lui plaît. Mais alors, le lecteur qui ne reconnaît pas peut lire quand même. Alors, ça n'est pas obscur. Mais l'amateur peut y trouver. Et voilà, c'est ça, voilà, c'est ça l'amateur que je trouve. C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec Debord. Bon, une dernière question. Attendez. Oui. Quand même. Oui, allez. Quand même, parce que c'est très important, la question. Je ne sais plus où c'est les citations. Je vous rappelle les citations blanches, d'ailleurs. Oui. Mais non, mais c'est quand il fait l'hypothèse que le français peut devenir bientôt une langue morte. Ce qui est quand même extrêmement... Voilà. On risquerait aujourd'hui, où l'ironie même n'est plus toujours comprise, vérification facile, de se voir de confiance. La lourdeur ancienne du procédé des citations exactes sera compensée, je l'espère, par la qualité de leur choix. Voilà qui est très important. Elles viendront avec à propos dans ce discours. Aucun ordinateur n'aurait pu m'en fournir cette pertinente variété. Autre avantage, en se référant au vaste corpus des textes classiques parus en français tout au long des 5 siècles antérieurs, à ma naissance, mais surtout dans les deux derniers, donc 19e et 20e, il sera toujours facile
de me traduire convenablement dans n'importe quel idiome de l'avenir, même quand le français sera devenu une langue morte. Attention. Hein. On sait que c'est une menace. L'hypothèse est là. Justement, ma dernière question... Donc, c'est en latin, si vous voulez, en grec. Ma dernière question sur ce livre... Il parle plutôt des vastes textes classiques parus en français. Bon. Vous consacrez un passage, alors naturellement je ne le retrouve pas, peu importe, à La Bruyère. Oh, magnifique. Et vous dites à la fin. Qui a un nom qui convient. Oui, c'est qui convient en plus. Oui. La Fontaine, La Bruyère. Oui. Et à la fin de la citation de La Bruyère, l'amateur de tulipes, là, vous dites. C'est quand même très bien écrit. Faut-il le noter? Oui. Le souligner, faut-il oui. Faut-il le souligner? Oui. Si je ne le fais pas, qui le fera? Bon, j'espère que quelques professeurs le font encore. J'appartiens au corps professoral, j'espère. Trouver quelqu'un avec qui parler de La Bruyère, vous savez, ça devient... Il y a une question. au fil de vos livres, alors je suppose que ça vous a été déjà dit. De Voltaire, de Rousseau, de La Bruyère, de La Fontaine. Voilà. Mais au fil de vos livres, je constate que... vous rappelez ce que disait Barthes à la fin de sa vie. Vous l'avez connu. Il disait « J'écris classique ». Est-ce que Philippe Solers, moi je ne vois plus de points de suspension, je ne vois plus de rupture syntaxique, etc. Est-ce que Philippe Solers ne s'est pas mis à écrire classique ? Non, c'est les deux. On poursuit l'expérience. Moi je crois qu'on peut utiliser les deux, plusieurs systèmes d'écriture. L'exemple écrasant, mais que je prends en volonté quand même, c'est Picasso qui a pu faire de très bien du classique, vraiment personne, parce que il leur a démontré aussi une chose, c'est que les peintres aujourd'hui, devenus de plus en plus animateurs culturels d'ailleurs, ne savent plus dessiner, ce qui est quand même un problème. À lui, ça va. Oui. Et donc, si on ne sait pas dessiner, je ne sais pas pourquoi on se préoccupe de. Enfin, bon. Voilà, et avec Barthes, moi, que j'ai très bien connu, comme vous savez, le projet que nous avions, qui était vraiment un vrai projet, surtout à partir du texte magnifique qu'il a fait sur les planches de l'encyclopédie, c'était d'essayer de refaire le travail de l'encyclopédie. Alors, malheureusement, il est mort. Je continue tout seul, mais dans cette idée qu'il y a une transmission à faire de type lumière... parce que là, Spendon, tout ça, sont vraiment des gens des Lumières. Il faudrait parler de Buffon, il faudrait parler de tas de gens aussi. Ce qui n'empêche pas qu'on peut se déchaîner quand il faut. Voilà. La raison, la curiosité et le goût, il s'agit de ce botaniste-là dont le nom est compliqué. Van Spendonck. Voilà. La raison, la curiosité et le goût forment alors un ensemble que le jardin déploie comme une philosophie naturelle. La raison, la curiosité et le goût, oui. J'ai mis dans la marge S, Solers. Oui, ouais. Mais c'est-à-dire, retenez bien qu'il est question de la nature. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est où en sommes-nous avec la nature? Je ne vais pas vous faire un prêche écologiste. D'ailleurs, ils disent rien. Ça m'épate beaucoup, parce que c'est vert, mais c'est comme si c'était peint en vert. Où en sommes-nous avec la nature? Tout le monde sait que c'est une dévastation. Enfin bon, là encore, où est-ce que vous en êtes avec, je sais pas, le niveau des océans, l'oxygène, votre respiration elle-même? Voilà pourquoi c'est un livre finalement assez politique, sans en avoir l'air, hein, c'est-à-dire les fleurs. Où est-ce que vous en êtes avec la nature? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir un contact encore, la nature au sens grec, c'est-à-dire fusil, c'est-à-dire ce qui surgit, c'est-à-dire par là? Eh bien, là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à tirer de corps. C'est les peintres, c'est les écrivains, c'est les poètes, qui ont été... assez mystérieusement, vous avez vu ça dans Genet, c'est pareil, c'est-à-dire
brusquement contact. Alors après, chacun déverse ses fantasmes érotiques qui peuvent être criminels ou au contraire extraordinairement tendres, c'est peu importe. Mais enfin, ce sont des corps qui, immédiat, à peine les lit-on, j'espère que ça s'est entendu, sont en contact avec la nature. Même Beckett, il est obligé de constater que malheureusement, la jacinthe capitule. Mais enfin, voilà. Donc cette capitulation de la jacinthe est quand même une date dans l'histoire de la sensation de la nature qui ne peut. C'est voilà. Bien parce qu'il y a au moins deux autres livres qui vont. Devrait naturellement, n'est-ce pas, germer de celui-là. Un livre sur les fleurs et les peintres. Oui, bien sûr, ça pourrait se développer. Voilà. Et vous parlez aussi, bien sûr, beaucoup à propos du lys, de son rôle dans les peintures de l'Annonciation. Bah, oui. Et là, il y a un livre à faire aussi. Alors, je sais plus si ça dit quelque chose à quelqu'un. De savoir pourquoi un papillon ou un bourdon prend la forme d'un ange, d'un archange, en l'occurrence, qui vient poser sa candidature à l'insémination spirituelle, bien entendu, d'une jeune fille rangée, très pieuse. Mais enfin, les peintres s'en sont beaucoup occupés, ça les a beaucoup travaillés. Alors évidemment, il faudrait à chaque fois montrer comment, pour chaque peintre, le lys qu'apporte l'archange est la signature personnelle du peintre, qui vient là, se transformant en archange, mais en bourdon, en fait, prêt à butiner la fleur qui ne peut pas faire autrement que de reconnaître là un message divin. J'insiste un peu là-dessus en passant, parce que ces histoires de théologico-poétiques ont quand même occupé énormément de... les imaginations. Vous avez des rosaces un peu partout, vous pouvez les regarder. Et vous avez des... Vous savez, là, un imaginaire extraordinaire, florissant, et qui s'exprime en... Alors, les annonciations, là, vous voyez, c'est un terme... On n'en peut plus. Vous prenez Frangelico, Léonard de Vinci, Tintoret, un petit chien... Chaque fois, il y a une intervention personnelle du peintre dans le tableau, c'est bien évident. Alors, je vais pas décoder ça sexuellement, mais enfin, ça devrait frapper les imaginations. Les églises sont pleines de suggestions érotiques. C'est d'ailleurs pourquoi le catholicisme, en général, a si mauvaise réputation. Ne songez pas à autre chose, c'est pour cette raison même. Doublé, évidemment, d'un puritanisme total, ça va de soi. Mais la pornographie est moins belle. Alors, ça y a aucun doute. Le recueil d'entretien. Ça, c'est Vincent Roy. Voilà, avec Vincent Roy. Alors, comment s'est fait ce livre ? Écoutez, ça s'est fait très simplement. Vincent Roy, c'est un peu dans la foulée d'une vie divine que l'idée de rassembler un certain nombre d'entretiens qu'on avait fait comme ça. Au fond, on s'est rendu compte que ça tournait autour de la figure de Nietzsche. Et donc, il était facile d'en rajouter deux. Mais ça tourne autour de... Il suffit de lire « Passez-moi le bouquin », il est là-bas. C'est un livre, je crois, assez clair. L'avantage, c'est de tourner autour des questions. Voilà, le table des matières, c'est... D'abord, ça porte sur la poésie. L'intérêt, c'est par exemple de commencer très concrètement, c'est l'idée qu'a eu Vincent Roy, c'est-à-dire de commencer par citer une phrase et demander d'improviser à partir de là. Il m'a dit que vous parliez admirablement de la poésie. Écoutez, alors ça, c'est le début de La Fête à Venise, voilà, qui parut en 1991. Voilà ce qui se dit là-dedans. Bon, comme toujours, ici, vers le 10 juin, la cause est entendue, le ciel tourne, l'horizon a sa brume permanente et chaude, on entre dans le vrai théâtre des soirs. Il y a des orages, mais ils sont retenus, comprimés, cernés par la force. On marche et on dort autrement, les yeux sont d'autres yeux, la respiration s'enfonce, les bruits trouvent leur profondeur nette. Cette petite planète, par plaque, a son intérêt. Bon, voilà. C'est tout. Alors, ça veut dire quoi? Ben alors là, on est là parce que tous les sens sont convoqués, toujours la même chose, c'est-à-dire, je crois que c'est ça la poésie.
c'est-à-dire que vous êtes pris, phénomène de nature que je pris immédiatement dans le fait que les cinq sens collaborent les uns avec les autres, musicalement, si on peut dire, de façon à ce qu'aucun ne soit lésé et que là, vous ayez des transferts intéressants. C'est-à-dire, alors, le temps change aussi, comme je le marque ici, hein, comme toujours ici, vers le 10 juin. Il se trouve que c'est à Venise, bien sûr, mais ce n'est pas dit. Alors, les cinq sens ensemble, je reviens toujours à ce mot merveilleux de Lichtenberg, l'humoriste, il y a très peu de choses que l'on peut goûter avec les cinq sens à la fois. Bien entendu, c'est une métaphore pour l'acte sexuel lui-même. Pour autant que vous en soyez rapproché, je veux dire de façon satisfaisante, pas en refusant que l'un de vos sens entre en action. Mais enfin, si ça marche à peu près, eh bien le goût, le toucher, l'odeur, la vue, ouais. Et l'oreille aussi, parce que les chuchotements sont très importants dans ces affaires. Voilà. Alors, mais Lichtenberg ne dit pas l'acte amoureux permet de faire jouer les cinq sens. Il y a très peu de choses qu'on peut goûter avec les cinq sens à la fois. C'est très. Il faut toujours prendre un peu là. Là, je suis trop lourd dans mon explication. Et puis, alors, donc, je disais la musique. Il y a un entretien sur Mozart parce que Vincent s'est rappelé gentiment, avec indulgence, que j'avais écrit un livre sur Mozart. On en a parlé ici. Voilà. Je n'ai pas besoin de commenter Mozart. Enfin, bon, voilà. Et puis, il y a aussi un lieu. Pourquoi Mozart? Pourquoi Venise? Pourquoi la poésie? Et la fin, c'est en effet ce que j'appelle l'évangile de Nietzsche. Et là, je crois que c'est peut-être l'entretien le plus poussé. Où je reviens, je crois qu'on en a parlé, cher Jean-Marie, à propos d'une vie divine, sur la question du calendrier proposé par Nietzsche. Or, si je vous rafraîchis un peu la mémoire, j'ai daté ce livre que j'ai publié de l'année 118, puisque Nietzsche a proposé, à partir du 30 septembre 1888, un nouveau calendrier qui se substituait à l'ancien et à tous les anciens, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, à partir du 30 septembre, nous sommes en décembre, je vous répète que nous sommes cette fois-ci en 119. L'année 2007 vous paraît très importante. Pour moi, c'est l'année 119. Et en l'année 119, on ne se préoccupe pas des élections présidentielles françaises. Bien. Merci beaucoup, Philippe Solers. Et bien sûr, vous allez signer les livres qu'on vous présentera. Et puis, à très vite. Merci à vous, cher Jean-Marie.